Bonjour. Bienvenue pour le Mortal Rems. 47. Je dis plus rien. Moi non plus. On se retrouve donc pour le 47 avec les Fast Riders, une troupe en fait de 3 Stormcast hein, qu'on avait dans les dans Underworld Shadow Spear, donc la première version normalement, si je dis pas de bêtises. Ou la deuxième, j'ai un doute. Je vais m'enseigner, j'ai un doute du coup maintenant. Et aussi les avant-gardes. Et la guerre de Sigmund, je sais plus ce que c'est. J'ai lu le Mortal Rift, mais j'ai un trou. Donc les avant-gardes, en fait, c'est un petit peu tout ce qui est chasseur. On a les troupes en fait d'avant-garde, tout ce qui est pisteur en fait, on va dire. Et aussi bien les ben, ceux-là, les mettre les noms en français, je me dis. Les éclaireurs, tout simplement. Donc, avec leurs pistolets arbalètes, les machettes, ils ont une monture, c'est les griffes Hunt, ils montent les griffes Hunt. Les boussoles australes pour se retrouver. Les sabres d'orage. Donc, vraiment, les trucs d'éclaireurs, ceux qui vont en avant, qui vont pister en avant, qui vont pister des ennemis bien précis. Et du coup, dans le background de Age of Sigmar, les éclaireurs hein, de la chambre d'avant-garde étaient envoyés en excursion, en repérage, bien avant que Sigmar envoie les troupes normales en fait. Donc il avait déjà préparé tout son plan à l'avance. Ensuite, on a donc les Fast Riders de Sanson. Donc Sanson, c'est le chef qui a le piaf. Et donc on les voyait une première fois dans Shadow Spear, qui était une ville maudite, hein, qui a été maudite par Sigmar, et du coup ceux qui arrivent dans Shadow Spear meurent, renaissent, remeurent, enfin, c'est un cycle sans fin, quoi. Il leur est impossible de quitter la cité. Donc, comme je disais, je les avais une première fois dans Shadow Spear. Alors, on a le chef qui est hop, ici avec l'oiseau. Ensuite, on a celui-ci avec l'épée, et celui-ci du coup avec l'arbalète et la petite hache. Donc, ils ont des noms spécifiques, ils avaient chacun une carte dans Underworld. Donc le chef, puis les deux compagnons. Et on voit du coup l'oiseau qui est ici. Donc le petit article sur la cité maudite. Ils ont déjà été tués à de nombreuses fois, mais ils reviennent toujours à la charge. Et ils n'ont toujours pas réussi à trouver la sortie, puisque bah, forcément c'était un dédale sans fin, et tous les soirs la structure de la ville en fait change, ce qui fait qu'il est impossible de ressortir. Voilà en gros. Donc là on les a en bleu dans Shadow Spear, comme il y a un coup de couleur dans les jeux. Mais pour Mortal Realms, on les a en gris. Là comme ils sont. Sachant qu'on peut aussi acheter la bande à part pour Age of Sigmar. Hein. On n'a pas les règles de Shadow Spear, on a juste les trois figurines, c'est tout. Et du coup, on les a en gris aussi. Sorti en 2017, la petite date là, ici. C'est du clipsable, hein, il n'y a rien à coller. On voit ici qu'il y a les trous ici, les trous, puis les ergots. Ici, on voit qu'il y a des petits ergots par ici, par là. Donc, il n'y a rien à coller. Ce qui permet d'éclipser pour le peindre. Alors, des fois, en déclipsant, on peut casser un petit ergot, ce qui fait bah, pour nous obliger de coller quand même. Mais voilà, avec les socles du coup texturés hein, en relief. On voit mieux en gris qu'en bleu, je trouve. Non? Merci de faire participation. Ensuite, le motarque Catacross. J'aurais pu le sortir du meuble, mais j'ai zappé. Je n'ai pas le courage. On l'avait présenté quand je l'avais en déballage, donc il faut regarder dans les anciennes vidéos. Donc, le chef hein, des bonnes répertes, donc les collectionneurs d'os. Donc ici hein, c'est un grand kit, avec le chef ici, le général d'armée ici, le porte-étendard, l'espion et celui qui donne les ordres tout. Moi je les avais collés à part les figurines par avoir des figurines séparément. Amber qui vient dire bonjour. Amber, tu veux jouer avec moi figurine? Non, je m'en fous. Bon, on va voir. Donc voici donc le guide d'assemblage. Le clipsable. Ensuite le guide de peinture habituel avec bah, la sous-couche en retour de armor, les lavis, le brossage à sec, les ombrages et l'éclaircissement comme maintenant on est avec les rayons, vous voyez ici, l'éclaircissement. Est-ce que ça fait du coup à la fin. Ensuite la charte d'unité, donc ils ont une charte pour eux trois, ils sont en fait en bande de trois du coup.
et la description des règles spéciales ici. Le scénario, une vague de non-vie. Scénario qui est assez à part, puisqu'en fait on a une carte au milieu. Donc la description des deux troupes et la carte au milieu. Et le scénario qui est ici proprement dit. Donc c'est un petit peu à part. Je crois qu'il y a une seule carte, il me semble. Les deux bandes ici et la description. Le 48 et le 49. Donc le 48, on aura un personnage spécial pour les Nighthold. Et le 49, deux peintures. Donc le 48, nous, on ne l'aura que dans un mois, en fait, parce que la presse est en travaux, elle est fermée pendant un mois. Donc elle les met de côté. Moi, j'aurais dû l'avoir la semaine qui vient, là. La semaine, qu'on est le 5, 6, 7, j'aurais dû l'avoir la semaine du 7 février. Mais je l'aurai que début mars, avec tout numéro de février, tout d'un coup. Donc on fera une petite pause, on va dire, vidéo d'un mois. Mais bon, j'ai prévu d'autres vidéos par la suite à mettre sur la chaîne. Les descriptions de jeux de rôle, tout ça, on en avait parlé une fois. Donc voilà, voilà, pour le numéro 47. Bah ouais, voilà, j'ai décrit 47. Après, on va faire les petits déballages de décembre que j'ai pas encore le temps de faire. Mmh. Puis voilà. Puis tout ce qui est jeu de rôle, tout ça, on le fera courant février. Salut.